Donc, est-ce qu'en ce moment je suis d'une humeur de merde? Oui. Peut-être pas le jour pour filmer. Ah oui. Vous voyez une marque? Prise de sang. Coucou! J'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Ça fait très longtemps, à chaque fois je dis ça, mais c'est vrai que ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu face caméra. Et je ne sais pas quand je vais poster cette vidéo, si ça sera celle-ci ou une autre. Je ne sais pas, on verra bien. Mais en tout cas, si vous regardez cette vidéo, c'est que effectivement je l'ai postée et je vais vous annoncer quelque chose. Voilà. Donc, comme d'habitude, nature, peinture, voilà, très simple. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Bah, c'est pas facile déjà. Donc, je sais pas, est-ce que j'y vais directement comme ça ou pas? Est-ce que je prends des pincettes ou pas? Je sais pas par où commencer, j'ai rien planifié, je me suis dit tiens, j'ai un peu de mascara sur la tête, c'est vrai que je suis beaucoup sur les autres réseaux, je vais un jour ou l'autre le dire, donc autant préparer une vidéo YouTube également pour vous l'annoncer à vous. Voilà. Donc dans une de mes précédentes vidéos face caméra où je vous annonce que nous avons du coup acheté une maison, je crois que c'est cette vidéo là il me semble, vers la fin de la vidéo je vous dis alors le projet bébé, forcément vous allez me poser la question et du coup bah voilà, on y vient, le projet bébé. Bah le projet bébé, il faut savoir que un peu avant la nouvelle année 2023, donc un peu avant janvier 2023, donc du coup, en fait, avant 2023, donc en décembre, on nous a diagnostiqué en tout cas, je sais pas si on peut dire diagnostiqué, mais enfin bref, en tout cas, on était, je sais pas comment dire ça, condamné, non je sais pas. Bref, en tout cas, pour avoir un enfant, pour avoir notre enfant, on doit passer par une FIV. Voilà, par un parcours PMA. Voilà. Voilà, est-ce que je vais pleurer? Je ne sais pas. Oui. Allez, vous inquiétez pas, tout va bien. C'est juste que voilà. Donc voilà, on nous a annoncé que pour créer notre famille, pour créer, voilà, avoir notre... notre petit nous, et ben malheureusement, le seul moyen possible, c'était du coup un parcours PMA, une FIV, et plus particulièrement une FIV bien précise, en fait, qui est la dernière méthode, voilà, qui est la dernière méthode. Voilà, donc... Donc forcément je suis tombée des nues, peu de temps après j'ai perdu du coup mon emploi dans des circonstances assez catastrophiques, donc j'ai dû faire avec deux problèmes, voilà, c'était très très dur, bah, c'est encore très très dur de toute façon, rien n'est fini, que ça soit... la FIV ou le travail. Donc je fais face à ce problème seule. Bon courage aux personnes qui sont seules, hein, parce que en fait ça m'a fait un déclic. J'ai acheté un livre par rapport à ça. Et dans ce livre-là, il disait que, en fait, peu importe que vous soyez accompagné avec un grand entourage ou pas, en fait, on se sent seul. Et effectivement, c'est vrai, tout le monde s'en bat les couilles. Franchement, il faut le dire, tout le monde s'en tape. C'est triste à dire, mais...
Ma plus grande des qualités, ça sera enfin, c'est mon courage. Voilà. Tous les jours, je le remarque. Heureusement. Heureusement. Putain, heureusement. Et ouais. Ah putain. Enfin. Donc voilà ce que j'avais envie de vous dire pour créer la vie, créer notre famille. Geoffrey et moi, nous devons passer par une FIV. Voilà. Et la méthode, la dernière méthode, parce que voilà, les résultats font que. Voilà, donc je pense pas aller plus dans le détail de ce que j'ai à vous dire. Je sais pas quand je posterai cette vidéo. Peut-être que une prochaine fois, je vous expliquerai du coup comment on a su, par quoi on est passé, les examens, etc. Le pourquoi du comment aussi. Parce qu'il faut savoir que ça fait pas du tout longtemps avec mon chéri qu'on a décidé de faire les essais. Vraiment, ça fait pas longtemps. Donc voilà. Voilà. Donc voilà, je vous ai annoncé du coup la nouvelle, comme je vous ai toujours tout annoncé, que ce soit comme ça a été pour le mariage, pour la maison. Pour la perte du boulot et bah là du coup pour ça. Donc voilà, maintenant je vais pouvoir en parler sur les réseaux, que nous passons par une FIV pour faire un enfant. Et voilà. J'avais imaginé tout un scénario pour vous annoncer ça. Autre que ça, mais là vraiment, je reviens de pharmacie et je me suis dit, tiens, il est que 15h, je vais tourner la vidéo. Et voilà, donc je vous laisse ça vraiment brut comme ça, sans donner d'explication, parce que ça serait trop long. Déjà là, je trouve qu'elle est longue la vidéo. Et parce qu'en fait, bah, je suis déçue. Je suis déçue par les gens. Et voilà. Donc en tout cas, je vais en parler et je vais aussi en parler avec beaucoup d'humour sur TikTok. Donc n'hésitez pas à me suivre sur TikTok parce que je vais commencer à en parler avec beaucoup d'humour. J'aime partager mon quotidien, ça a toujours été, j'adore ça, je suis passionnée par les réseaux depuis des années. Si je m'étais écoutée avant, je me serais lancée bien plus tôt. Sur YouTube, je me suis lancée en 2019, je me suis régalée, j'ai jamais abandonné ma chaîne même si j'ai eu des mois d'absence. Je continue à être là et je suis à fond sur Instagram depuis très 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 longtemps maintenant. J'ai plus de 4000 publications, donc c'est pour vous dire que ça monte quand même depuis le temps que je suis sur les réseaux. TikTok, comme tout le monde, je me suis lancée pendant ce fameux Covid et je me régale là-bas. Donc voilà, si vous voulez, n'hésitez pas à me suivre là-bas pour suivre notre quotidien tout simplement. Et pour voir un peu certaines de mes vidéos. En tout cas, voilà, je voulais vous le dire, c'était important pour moi. Et puis, bah voilà. Bisous, ciao, ciao.